Je trouve qu'aujourd'hui, à niveau mobilisation sur Paris, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Là, on voit la fin des CRS et là, on voit la fin des gendarmes. Thank you.
Thank you.
Pascal, ça pique au nez. Merci David, il m'a aidé à finir. C'est vraiment impressionnant.
en direct ici, en direction place de la République. Toujours en direct ici, en direction place de la République. En fait, il y a quelqu'un qui sont brûlés, ils voulaient pousser un gilet jaune, du coup, après, ils l'ont calmé. Facebook et Periscope est toujours en temps. Ah,
connaît bien, mais en fait, il s'en connaît pas. Du coup, il ne voit pas. Du coup, lui, il ne voit pas. Thank you.
On est dans le 9e arrondissement, rue Lafayette. On est dans le 9e arrondissement, rue Lafayette. Fabriquer un gros amas de barricades de chiens, de casse de bois en plein milieu. Déjà, ce qu'on fait derrière, c'est un peu Facebook, je vais. Vous voulez mettre sur le live ou pas, oui ou non? Thank you.
réussi à tirer quelque chose. Mais il y a eu un tir. Donc voilà. Voilà pour l'instant la situation maintenant. Bon, selon les observateurs, certains diront que c'est pas quand même relatif. C'est un permis de tuer quoi. C'est grave ce qui se passe. Par contre, là, il y a énormément de policiers là, qui sont en train de se rassembler là, juste devant. Ça sent mauvais, là, ils sont en train de se rapprocher. Là, ils sont extrêmement nombreux avec le canon à eau. Ils arrivent là, ils sont plusieurs dizaines. Ouais, c'est. Excuse-moi. Je vais me déplacer. Et là, ils sont vraiment très. Plusieurs dizaines. Hein. Il marche ou pas? Ça marche ou pas? Ils avancent avec le canon. On va essayer de se mettre dans un coin, on va éviter la douche. Désolé, hein, bah, je ne peux pas lire vos commentaires. J'essaierai de les regarder vers la fin du direct. Pour l'instant, c'est assez tendu. Je reste très vigilant. Regardez vos commentaires plus tard, les amis. Hein. Donc là, ils restent en statique. Ils sont en train de verrouiller la place. Ils sont très nombreux. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à partager. Manifestation à Nantes en hommage à Steve, enfin pour dénoncer en tout cas le sort qui lui a été réservé. Voilà, pas mal de
de, on va dire, de dégradation de barrières, de choses comme ça. Rien de bien méchant, 2-3 feux pour le moment. La police reste à l'écart. Ils ont été plus rapides pour faire tomber 14 personnes à l'eau. Mais pour l'instant, c'est assez calme. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, restez avec nous. On va être en live toute l'après-midi. Simplement, à un moment, je débrancherai le micro pour brancher mon portable pour qu'il charge. Ça se dépasse aussi à gauche, là. C'est à faire, apparemment. Essayez de rester bien vigilant. Mais totalement ciblé, les médias indépendants. Parce qu'on va essayer de s'approcher. S'avancer jusqu'au feu. Très vite. De faire peur aux gens. Ah, ça chauffe là-bas. Pour que les gens évacuent la place. Brancher mon chargeur, je débranche le micro donc ça risque de baisser un peu en qualité de son, mais ça devrait aller, il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. Il y a tous les gens qui sont groupés ici. Parce que là où ils sont positionnés, ils peuvent très facilement tirer au lanceur cougar et allumer tout le monde là, dans la foule. C'est pas un très bon plan, hein, d'essayer d'être agglutiné comme ça sur un petit espace. Voilà, parfait. C'est assez dangereux. Ouais. On sait à quel point ça peut être compliqué parfois. On l'a vu hein, dans le cas de Steve. Hein. Bon. Le gaz, les gens ne voient plus rien, dans l'effet de panique, ils courent dans tous les sens. Quand on est enfermé dans un coin, ça finit jamais très bien. C'est une journée assez difficile avec beaucoup d'émotions. C'est un monument des anciens combattants et vous auriez pas et les personnes un peu d'eau qui ont écrit. Si, ouais. À plein que j'ai tourné. Les enfants de la Loire inférieure, mort pour la patrie. C'est ce qui est décédé dans la Loire. Donc voilà, le message hein, est assez clair, je pense. J'ai l'angoisse, toi. Écoute, en
Bientôt, il va falloir faire gaffe parce que là, ils sont fermés sur la place. Donc, si tire au lanceur Cougar, là, ça va. Tu déshydrates, tu fais un peu chaud. Un peu chaud, hein. C'est le mot. Ça va être une bouchetée, là. Ça va être une bouchetée, là. Ça va être une bouchetée, là. Fais gaffe que tu fasses pas. Ouais, un ouais, mais je préfère être à bouche, je préfère être garder vivant, moi. Non, mais c'est juste parce que j'ai besoin de toi. Hein. Ouais. Tu vas là-bas? Non, mais de toute façon, moi, je vais faire en sorte que t'arrives à rien. Arrête de me raconter n'importe quoi. Si jamais. Ça va, ça va. Oui, oui. Non, non, mais t'inquiète. Ils sont jusqu'à la zone. Les policiers qui restent en statique. Ils ne bougent pas. Le canon qui doit certainement être en train d'éteindre les feux qui étaient présents sur la place. Et la foule qui est toujours coincée là. Essayer de voir si on est de l'autre côté de la... des quais là. Essayer de me rapprocher un petit peu. Essayer de ne pas me déplacer n'importe comment les amis, tout simplement parce que bah, un mauvais déplacement ça coûte très cher. Quand on n'a pas de masque à gaz, ça coûte très très cher. Donc là il y a une première sommation. Première sommation là. Dispersez-vous, nous allons faire usage de la force. Anto, prends la sommation s'il te plaît. Anto. Anto. Ah oui, mais... Prends le. Non, on va leur mûrir dans le côté de la distance. Ouais, 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 ils sont super loin, mais c'est normal, ils vont tirer au Cougar, c'est ce que je t'ai dit. Ils vont tirer au lanceur Cougar. Ceux qui tirent super loin, là, avec le gros machin, là, qui relance un qui semble à. Bah écoute, on va. Prends la dernière sommation s'il te plaît. Non, on reste là, on va te dépasser comme ça. Je fais ça. Ouais. Toi, tu vas vers. Moi, je vais prendre la droite. Moi, je vais prendre la. Non, non, là, je vais prendre en face. Non, je vais les prendre en face. En revers. Il fait un 3A là-bas. Là. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Ouais, on y va. Les mecs sont à 250 mètres. Non mais parce qu'ils tirent au ici là, ils sont tranquilles, ils vont pas à la confrontation et. Bah ouais, mais c'est ce qu'ils étaient en train de charger là. Je sais, mais c'est ce qu'ils étaient en train de charger. Ouais, je sais. S'il y a eu assez. Allez, il charge. On t'a entendu, hein. Il charge. Si, il y a eu deux sommations, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, mais comment ils sont en train de charger derrière nous, je vais essayer de me retourner. Les mecs là-bas, ils sont pas en train de se. Si, il y en a qui ont dit, allez vous faire. Tu vois. Ouais, mais bon, ceux qui étaient tout au bout, ils ont pas entendu la sommation, ouais, on est d'accord. Il y a combien? Ouais, il y en a 10 qui ont entendu, on est d'accord. Je suis là. Je suis désolé les amis, je filme comme un pied, mais je peux pas tout faire en même temps, je peux pas me couvrir et. Ouais, ils sont en train d'intervenir. Là, ça intervient là. Ouais. Waouh, c'est impressionnant le monde, hein. C'est vraiment impressionnant. Le monde regroupé, c'est impressionnant. Regarde là, il y a
Excusez-moi, il a surchauffé, mon téléphone a surchauffé. Je peux pas le brancher en même temps, c'est pour ça, c'est chiant. Yes. Il surchauffe. T'inquiète. C'est impressionnant le monde présent là. Aujourd'hui ? Ouais, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Non. Ouais. Moi je pense que personne ne pensait. Non, je pensais qu'il y en aurait eu à les 300. Ouais, non, là c'est pas 300, 400, là, c'est 4, 5, 6, 7, 8 000. Là. Yeah. C'est même plus que ça. Hein. C'est même plus que ça. À mon avis, je pense que c'est à la baisse. Il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Ça se ressent, des gens qui pleurent. Franchement, c'est super intense, quoi. Dans tous les sens du terme. Les policiers, pour l'instant, qui n'avancent pas plus. Ouais, apparemment, bah, les stratégies de lutte se partagent. On retrouve des parapluies comme à Hong Kong ici, aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à tous sur Civicio, mes amis. N'hésitez pas à partager. Salut. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. On est plus de presque 2900 sur le direct. Merci à tous pour votre présence. Alors attendez là, ça avance là par ici. Ça charge là au niveau du tram. Pour info, comme quand je charge mon téléphone, ça surchauffe. Ce que je ferai, c'est quand j'aurai plus de batterie sur celui-là, je brancherai mon autre téléphone et je relancerai un live sur le Média TV. Ou peut-être sur Vécu d'ailleurs. On verra. Ouais, merci. Mais en tout cas, voilà, je vais faire comme ça. Donc ça il me reste 25% à peu près là. Ceux qui voudraient soutenir financièrement la page, c'est un média indépendant, totalement indépendant, financé par les abonnés, donc ceux qui peuvent, il y a le lien qui est épinglé dans les commentaires. J'ai envie de passer en plus. Ah putain, c'est cool. Pour l'instant, il reste en statique. Yes! Recule! Qu'est-ce qui est passé? Salut, ça va? Ouais, ça va. Faut être devant, les mecs. Hein? Allez, ça va. La perche que t'as mis là-dessus. Vas-y. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là. Ouais, c'est de faire gaffe. Toujours l'hélicoptère qui sillonne. Oula, ça arrive à droite là. Ça arrive à droite là. Ah non, j'ai pas de casque, bien. Zéro. C'est pour ça que je vous le dis. Pas de risque inutile. Voilà, on le voit là, il va tirer au LBD. Il a chargé la
fait, ils ont bloqué là pour pas que... Ouais, c'est juste pour empêcher les gens d'avancer. Hein. Ouais. Et là, quand finalement ils avancent pas plus, ils veulent juste bloquer. Bienvenue à Nantes, ouais, le live. Là, on va faire attention. Voilà, là. Comment ça se passe chez nous depuis 38 semaines. Ouais, t'inquiète pas. Il faut juste méfier les gens en bleu. Je suis pas. Allez, go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, fais attention à toi. Ouais. Dégradation. Ouais, tu vois, au moment où je fais ça, ils viennent de lancer des grenades. Voilà. Ah, ça a commencé à lancer de la trémo. Je vous l'avais dit. Ah putain, on est sorti de l'autre côté. T'inquiète. C'est bon ? Vas-y, c'est le gaz, hein. Parce que sans masque, ça passe pas très bien, parce que le gaz lacrymo. Ouais, je vous ai dit, je fais attention avant de passer. Je suis passé deux secondes après, ils ont tiré. Ils veulent repousser la foule de ce côté-là. C'est la BAC. Ouais, ils veulent m'avoir. Hein. Je les attends depuis une demi-heure. Deux grenades, trois. Ouais, bravo. Nickel. La balle qui s'en passe. Les manifestants qui leur lancent des pétards. À droite aussi, regardez. Ouais. On va dans l'autre sens. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, mais c'est incroyable. Putain, il m'a mis au micro. Ah putain. C'est un lacrymo, hein. J'ai le micro qui brûlait. On voit plus rien. Ah putain, ils ont brûlé les bâtards. Ça va. Il y a ce sur le t-shirt. Bonjour. Brûle. Bien. Ça va, ça va. Ah. Oh les médics. Eh les gars, j'ai reçu un lacrymo sous le bras là, ça me brûle de ouf. De tout mon cœur. Tu tiens la cam, ouais. Tiens, merci. Attention, avance pas, avance pas. Parce que heureusement, il est dans l'autre sens. Ça charge derrière, regarde. Et ça charge. Oula, ça arrive. Vite. Vite, ça sort, ça sort. Merci, merci, merci. Oh là, vous avez pas vu ça, mais impressionnant la petite unité. On prend.
défendre le bout du vent, hein. Ouais, c'est marrant. Bon, allez, il y a la batte, il y a la ils sont actuellement dans la rue de Rosetron.
vais pouvoir. C'est hard avec la chaleur et les poumons. C'est vraiment hard. Là, on est revenu au point de départ. On est revenu au point de départ de la manip. Normalement, le premier tour est plutôt calme, relativement calme d'habitude. J'ai l'impression que c'était pas le cas aujourd'hui. T'inquiète, je le louperai pas. Donc ils ont pas compris, ça suffit. Ah ouais. Le premier récupère les munitions. Vas-y, parle, je te laisse parler. En fait, ce qui se passe habituellement, c'est que le policier vient de menacer à Nantes, il récupère les munitions. Le deuxième tour, c'est la castagne. Ils se regroupent en masse et ça se passe souvent comme ça. Voilà. Pour avoir fait toutes les manifs, on voit ma gueule. Tiens, tu peux pas tourner la caméra, ça charge. Oh putain, merde. Pas de panique, ça fait un peu bruit. Sur la place, ils sont ici, dans l'angle. On va rester vigilants. Oh là là. Ça casse dans tous les sens encore. Ils sont juste là, ceux qui viennent de contourner, qu'on va voir dans la rue à l'eau au secours. Là, ils ont tourné ici. On va se méfier. Voilà, bon. De rester vigilant au maximum. Batterie 11%. Thank you.
pourrais pas. Et tout à l'heure, tu l'as sorti, j'étais devant, ils m'ont vu, les CRS, elles m'ont vu, moi j'ai vu la chute. On y va.
c'est vraiment hard. La chaleur. Pas de kiff, ça repart. Pas de kiff, pas. Je prends deux minutes. C'est en train de s'activer là. Ça s'active. Ouais, il est chaud. Je ne suis pas fou. J'ai levé les lunettes pour passer mon un botteur. Ça va? Et toi? Ça va. Je cours tout le temps pareil. Non, c'est que t'as pas bien regardé toutes tes vidéos, mon pote. Ouais, si. Attention, regardez. Emmanuel Macron. Ils ont tué un gamin. Ouais. Ça va, je suis à fond. Toi aussi, mon pote. Oh là là. Le gaz. C'est chiant, il surchauffe celui-là quand je le charge. Le vent dans l'autre sens. 4%. Allez, il reste 4%, partagez à fond ce live. Là. On tire au cougar encore là. Pardon. Que ça sent le coup de gorge là dans 3 secondes. Oui, parce que au-delà de ça, on se pose la question. Alors, Christophe Castaner, hier, il me semble, a posé cette question. On peut quand même se demander pourquoi l'utilisation des gaz lacrymogènes en pleine nuit sur ce lieu. On se déplace.
C'est sûr qu'en tant que ministre, c'est aussi dans sa responsabilité, mais pourquoi a-t-il attendu un mois pour poser cette question ? Vous pensez que finalement la disproportionnalité de la réaction à Nantes lors de cette fête de la musique, est-ce qu'elle est due justement à un changement radical de la doctrine de maintien de l'ordre, au moins depuis la loi travail, voire depuis les Gilets jaunes ? Non, je pense pas, ça a toujours été en fait. Ça a toujours été. Est-ce que ça s'est un peu radicalisé quand même ? Ah oui, ça s'est radicalisé depuis le mouvement des Gilets jaunes et tout, mais parce qu'ils ont eu peur, ils ont peur pour eux. Donc automatiquement, ils veulent tout faire pour dire bah tiens, tu viens plus, comme moi, comme plein de personnes aussi. Comme quoi qu'on n'a pas le droit de manifester en fait. Mais on a le droit de manifester en France. C'est nous le problème. Donc la radicalisation, ça fait des années. Moi je pense que ça fait plus de mal. C'est vrai, quelque part, le sens de responsabilité, comme disait le manifestant tout à l'heure, c'est aussi de se poser la question qui est responsable et de ne pas s'arrêter simplement aux CRS qui étaient sur place, qui ont écouté aux ordres, certes, mais finalement, il faut aussi peut-être remonter dans cette hiérarchie et donc partir sur le préfet. Est-ce que la façon justement dont est traitée l'affaire, c'est pas un moyen d'essayer de dédouaner la hiérarchie plus que les hommes ? Bah si. De toute façon, il n'y a pas de... je sais même pas quoi dire en fait. J'ai tellement en lien contre tous ces gens en fait, la police, que ça soit la justice française, tout ça, c'est inadmissible ce qui se passe. C'est inadmissible. C'est une honte en fait. On tire sur son peuple, on essaye de tout faire pour décriminaliser. Et pourtant, Steve, c'était pas un gilet jaune. Non. Alors, il était à part. Sinon, c'est pareil. C'est quoi l'histoire ? Gêné, ça c'est quoi ? Donc, le problème, il est là, c'est qu'ils ont tellement peur de ce mouvement, de la révolution, parce que pour moi c'est une révolution, qu'ils font tout en fait pour. Ils font tout en fait pour décriminaliser le truc. Ouais. C'est ça. Vous avez cette sensation en tout cas qu'ils essayent d'étouffer un mouvement populaire, à la base populaire. Oui, ah oui, carrément. Parce que c'est le peuple qui va la rue. C'est le peuple qui est dans la rue. Alors, on lâchera rien. Effectivement, vous ne lâcherez rien. David, alors comment vous le vivez actuellement ? Est-ce que c'est difficile ? Alors, on imagine que ce soit difficile. Ouais. Pour la famille, elle le vit comment, votre famille ? Avec ma famille, c'est très très dur. Oui. Même si on est soudés, parce que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on a toujours parlé de tout et tout. Mais en fait, c'est la première fois que j'ai un problème comme ça, j'arrive pas à en parler. Mais le choc était trop violent. Voilà. Parce que je l'ai fait tellement chier avec ça, avec ce mouvement, bien qu'elle est pour ça, avec le mouvement de Gilets jaunes. Mais elle a pris tellement cher au niveau de moi déjà. Et moi, c'est tous les week-ends qui me prennent, c'est les Gilets jaunes, Gilets jaunes. Même si je suis pas sur Paris, dans ma tête, c'est Gilets jaunes. Je reste sur Gilets jaunes. Gilets jaunes, il est là. Et un rappel pour vous, le Gilet jaune, c'est un symbole en fait de danger. Ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix. Vous êtes entre quatre murs et vous avez besoin d'exprimer, entre parenthèses, le fait que vous êtes effectivement au pied du mur et que le peuple a besoin de vivre et non pas survivre. C'est un appel d'alerte, en quelque sorte. Il n'y a pas de symbole, il n'y a rien, c'est pas que des symboles. Voilà, on utilise son poste. Effectivement, c'est que sur les manifestations, il y a eu le LGBT, le LGBT, avant que le Kémoji ait eu la guerre. C'est vendu comme des armes. Le deuxième projet. C'est ça. Attention dans ce cas. C'est pas possible.
Malgré les traitements, le conseil constitutionnel est encore rejeté. La réalité concrète de la responsabilité, on va dire, de cette arme de guerre. Le chemin de la fraternité en priorité, celui de l'écoute des autres. Mais justement, de l'écoute des autres, hein, qui puissent l'écouter de toi aussi. Ça, c'est important de trouver la parole. Alors continue, David, et on reste en contact quoi qu'il arrive. Continue à travailler dans ce sens, à faire en sorte d'essayer, en tout cas, mieux que l'on peut, chacun de notre côté, à notre mesure, à faire évoluer les choses. Vas-y. Merci David. Moi je suis obligé d'être là, je vais plus pragmatique. Hein. Sinon je vais pas tenir longtemps. Voilà, hein. David est ici. David Bradenstein a été blessé à l'œil par un LBD. C'était pas partagé. Mars. Salut. Voilà. Manifestant. C'est assez impressionnant. Sur le pied sur la rue. C'était mars. Effectivement d'avoir été notamment à l'hôpital à l'époque, d'avoir discuté avec lui après. C'est assez surprenant de le retrouver quelques semaines, quelques mois après, et de se dire que cet homme réussit en tout cas un pari incroyable, celui d'essayer de rester digne malgré ce que la vie a pu lui faire endurer. Désolé, là, nous avons eu pas mal de coupures aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Nous sommes arrivés au final de cette manifestation, place de la République. Ici, tout est calme en tout cas. Ouais.
Ah, il ravance dans l'autre sens, ça, c'est mauvais ça. Si vous permettez, après chacun d'entre vous pourra prendre la parole. C'est mauvais, ça arrive de l'autre côté là. Le micro ne passe à tous ceux qui ont envie de le prendre. Simplement, je voudrais simplement vous faire prendre conscience d'une chose. C'est que quelquefois on nous attend. Alors pour le moment, ce sont les camions de gendarmerie qui encadrent la manifestation. Ça va, les gars, se dissiper. À ma droite. Ce que l'on a vu passer aujourd'hui. En face, ce sont les compagnies CRS. En tenue. À ma gauche, ça arrive de l'autre côté. Nous savons aussi tenir et respecter le deuil d'une famille. Ça arrive de là où j'étais. Voilà, nous sommes là, tous là. Et moi, je vous remercie. Contrairement les uns et les autres. Ceux qui étaient tout à l'heure à Place Clichy. Avec Jean-Christian et tous les autres, je voudrais simplement qu'on démontre qu'on sait se tenir les uns les autres et qu'on respecte ce deuil. Sur le terrain, du coup, le point, là, il est... y a d'autres moments et d'autres journées où on pourra effectivement démontrer qu'on ne se laisse depuis pas faire près, et qu'on va aller jusqu'au bout de nos engagements ça, les uns et les autres. C'est très important qu'on puisse le signifier parce qu'aujourd'hui, tous les autres médias nous attendent et se dire que la place de la République, eh bien, ça va dégénérer. Eh bien, on va démontrer que non. On sait aussi faire des choses qui ont du sens. On est respectueux de tout ça. Et dans quelques instants, avec Jean-Christian, on va faire une minute de silence. Extrêmement dangereux. Et puis finalement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais de vous remercier d'être présent, comme vous l'avez été, pour un bien grand monde depuis le 17 novembre qu'on est ici chaque samedi. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci, merci les amis. Steve, merci les amis. Et le constater à place de la 38 semaines que ensemble, dommage, on dit non à ce gouvernement. 38 semaines où il y a le mépris. Regardez, 38 semaines où il y a. Faire gaffe. C'est de se passer. Ouais, nous subissons la diabolisation. 38 semaines où il y a cette notion de peur. 38 semaines où nous subissons des arrestations arbitraires. 38 semaines où tout est permis d'une justice qui n'est plus impartiale. C'est pas que les manifestants qui sont gazés qui prennent un tour de point apparemment. C'est aussi bien gazé. C'est-à-dire avec cette chaleur et tout. Le fait de se rassembler, une fois de plus pour toi. Parce que cette semaine, c'est les morts de trop. C'est les morts qui ne méritent pas qu'on reste innocent. Il faut qu'on soit des nouveaux acteurs. Je souhaiterais soutenir financièrement la page. Aujourd'hui, Steve est mort suite à ce que nous voyons nous depuis 38 semaines. Que la répression, dictature, pendant des mois et des mois, allons-nous continuer à vivre repente. Pour Steve, il y a trois coupables. Un, le premier donneur d'ordre, qui est Monsieur Castaner. Le deuxième donneur d'ordre, c'est le préfet de Nantes. Le troisième donneur d'ordre, c'est le commissaire de Nantes. C'est pour cette raison que nous, à Paris, on pensait qu'on était incapable de se rassembler un 3 août. Vous avez vu Le Monde qui a démarré de la place Clichy, dans le calme, et qui est arrivé aujourd'hui, place de la République, dans le calme. On sera comme ça jusqu'à 18h, pour faire voir à M. Castaner que c'est nous le peuple de France, c'est nous qui disons que l'IGPN n'est plus impartial aujourd'hui. On demande qu'à partir de ce jour, un nouveau groupe soit mis au niveau de l'IGPN et qu'on recommence l'enquête à zéro pour la mémoire de Steve et pour tous ceux à Paris, ailleurs, à Montpellier, à Toulouse, qu'on a tous subi d'une répression comme on n'a jamais eu dans cette 5e République. Dorénavant, c'est nous, le peuple de France, qui allons gagner.
c'est nous, ce peuple de France, qui allons agir. Mais plus aujourd'hui, c'est politique. Merci à tous. On va entamer tous ensemble cette minute de silence en mémoire à Steve et surtout à Zineb qu'on n'a jamais oublié depuis le 1er décembre. Et je remercie toutes les associations, tous ceux et toutes celles qui nous ont jamais fait oublier la mémoire de Zineb. Voilà, et à partir de là, il y a d'autres dossiers aussi qui sont en cours. Et c'est là que le JPN doit redevenir impartial et indépendant. Mes amis, en mémoire de Steve, faisons notre minute de silence. Merci. Demain, j'ai préparé un autre rendez-vous. J'ai préparé un autre rendez-vous demain. C'est le 4 août 1789. C'est Kamel qui m'a donné l'idée. J'étais vite cherché. Tu fais pourquoi tu dis ça? Le 4 août 1789, on s'est aperçu que c'était l'abolition des privilèges. Fini les riches. Le peuple avait retrouvé sa part de responsabilité. C'était le peuple qui resiégeait. Eh bien, demain, à 15h, on va tous venir ici. Vous pouvez même revenir en gilet jaune, c'est prévu dans ma déclaration. Donc, le 4 août 1789, abolition des privilèges. 4 août 2019, c'est ce que demain nous allons réclamer. Que les entreprises qui ne payent pas d'impôts en France, qui ne payent pas d'impôts sur les sociétés, crachent impôts vaccinés, paye la sécurité sociale, paye les charges, c'est pas à nous, peuple de France, de les payer. Réagissons, soyons tous demain à 15h, place de la République. Merci. Je vais rajouter à ça tout simplement le fait qu'à chaque fois qu'on est venu ici depuis le 17 novembre, ce micro, il vous appartient. C'est super. Alors ceux qui veulent venir dire ce qu'ils ont dit, je l'ai promis à Sophie qui vient de partir, parce que bien évidemment, on a eu toute une discussion entre elle et nous. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres, on puisse s'exprimer, parce qu'elle a soulevé un véritable sujet. Divisés. Et voilà. Et ce en micro grande partie par là. Ah, je sais pourquoi ça marche pas. Je sais pourquoi le peuple ne marche pas. Je sais. Je vais le remettre. Je sais pourquoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. N'oublie pas ça. On ne lâche rien. Qui avait été aussi, je vais rebondir un peu ce que disais, je vais tout de suite ta parole. Il y avait quelque chose dans ce procès sur lequel peut-être que l'un d'entre vous, enfin certains d'entre vous, pourraient aussi prolonger. C'est ça qui consiste dans ce procès, et c'est un peu compliqué que nous, on a fait revenir à la presse. Il faut pas le dire, ça s'arrête au 7. Un peu sur les cours d'assises. Et en fait, ça s'arrête au 7. Vous savez, ils sont là, le cortège, il est là, le cortège. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le cortège, il est divisé en 6 ou 7 parties.
Et le haut but, c'est exactement ça. Sur cet aspect des choses. C'est-à-dire dans ce qui nous est proposé au travers du ministère et de ces fameuses structures dépendantes du ministère de l'Intérieur, d'y adjoindre ces juges professionnels, mais également d'avoir un jury populaire comme ceux que l'on choisit sur les listes électorales. C'est des jurys populaires qui sont tenus d'ailleurs de répondre aux convocations pour juger. Et je crois que là, l'idée serait justement d'arriver à ce que ce jury populaire puisse exister véritablement. Voilà, ça c'est. Je lance l'idée tout simplement parce qu'il y a certainement parmi vous des jurys ou des gens qui ont traversé ce genre de sujet. Moi j'ai interpellé beaucoup de gens là-dessus, mais rien ne s'y oppose aujourd'hui. Voilà, si d'autres parmi vous. Voilà. Très bien, voilà. Voilà, le sujet, voilà, le débat est lancé. Non, mais c'est très intéressant, oui, ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Complètement. Bon, après, écoute, après, sur cet aspect, si tu veux prendre le micro, il n'y a pas de souci, je dis pas. Tiens. Voilà. Vas-y. Aujourd'hui, on a reçu tout Steve, en fait. Tout le chemin, on a arrêté, en fait. On était là pour Steve, quoi. Donc on n'a reçu rien. Il est mort le 21 juin. Donc il est mort le 21 juin 2019. Les gens qui ont fait de la musique, en fait. Voilà. Donc on n'a reçu rien. Merci. Moi, c'est Mohamed. Allez, merci. Oui,
soit frappe par des psys, parce que pour mettre des bâtons dans les classes de manifestants à la fin, en plus, parce qu'on a tous vu cette vidéo, c'est que ces gens-là se sont impunis. Castaner, des corps, des policiers qui sont cachés. Chassin, c'est un facho. Chassin, il a été vu sur des photos.